Salut, c'est Marc. Aujourd'hui, j'ai 59 secondes pour vous présenter le nouveau type WLangage, Mask. Le nouveau type Mask, il vous permet de créer vos propres masques de saisie. Vos utilisateurs ne peuvent plus saisir de données mal formatées. Le type Mask, il est super facile à utiliser. Il suffit de déclarer une variable de type masque de saisie. Cette variable, elle possède des propriétés. Donc format en entrée, format en saisie, format en sortie, valide en saisie, valide en sortie. Dans chacune de ces propriétés, vous pouvez affecter une procédure à vous. Ici, j'ai utilisé juste la propriété valide en saisie et j'ai écrit la procédure juste en dessous. Cette procédure, elle vérifie que chaque caractère saisi correspond à un caractère autorisé. Si c'est autorisé, elle renvoie vrai et le champ affiche ce caractère. Sinon, le champ n'autorise pas la saisie de ce caractère. Ensuite, pour l'utiliser dans un champ de saisie, il suffit d'affecter la variable de type masque de saisie dans la propriété masque saisie du champ de saisie. Avec la version 25, créer un masque de saisie personnalisé, c'est facile et c'est rapide.